À l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime. 25 ans de boîte. Tu demandes un truc. À l'amour de ma vie. Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on en finisse. Sensation de chaleur ? Aucune. Vous avez pris un petit peu de poids. Non. Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause. Ouais. Je te dis qu'elle a pas d'amour, arrête avec ça. Ton amant c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute. Vraiment, je ne suis pas avec cet homme, c'était un jeu. T'es amoureuse de moi ? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux, c'est pas... On est quoi ? On est un couple. On se sépare. Quoi ? Moi je t'aime, alors j'agis. Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre. C'est dangereux, Alain. Je sais. Tu devrais faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans, nouveau départ au votre garage. Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Kif, 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 kif. Aïe ! Oh, la honte, je suis bloquée. Parce qu'il s'éclate, tu crois ? Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste, le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux. Je me régale. T'es venu pour manger. Oui. Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main. Et on s'en fout que machine, elle ait 35 ans. Elle a 35 ans ! T'es sur haut-parleur ? Non. Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi. Non, mais tu plaisantes ? Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça ! Thierry ! Désolée, je n'ai pas compris votre demande.